Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Loco, de son nom civil Charles-Arthur Loco Samba, né le 8 mai 1992 à Douala, est un chanteur, auteur-compositeur et beatmaker camerounais de R&B et d'afropop. Il s'est fait connaître en publiant sur le site de partage de vidéos YouTube, un grand nombre de reprises de chansons populaires. Il est le premier Camerounais à lancer une chaîne YouTube de covers. À l'époque, il évolue sous le pseudonyme de Chomé Loco. En 2014, il rejoint le label Big Dreams Entertainment et enregistre sa première chanson Perfect Girl en collaboration avec le chanteur camerounais Numérica. En 2015, il abandonne Chomé pour se faire appeler désormais simplement Loco, nom sous lequel il signe alors son premier single solo intitulé Margot. En 2017, Yi est présenté comme la révélation R&B camerounaise de l'année par le magazine français Paris Match. En juin 2018, il rejoint l'écurie d'Universal Music Africa. Loco est né le 8 mai 1992 à Douala. Il est originaire de la région du littoral vivant à Yaoundé. Il apprend la musique et le chant très jeune. Il grandit entouré de choristes et d'instrumentistes et apprend à jouer de la guitare, puis le piano avec son oncle, dès l'âge de 7 ans. Il chante, écrit, produit, et joue du piano et de la guitare. En 2010, il crée sa chaîne YouTube sur laquelle il publie régulièrement des reprises de chansons populaires d'artistes français et africains tels que Singila, Maître Gims, Flavor, Stanley Eno et Duke Z. Après l'obtention de son GCE à Level, baccalauréat anglophone au Cameroun, il rentre à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, mais abandonne ses études quelques années plus tard pour se consacrer à sa carrière musicale. Son premier single Perfect Girl, une collaboration avec le chanteur Numérica, sort en novembre 2014, puis son premier single solo Margot, sort quelques mois plus tard, en avril 2015 sous le label Big Dreams Entertainment. Son premier EP intitulé Schizo sort en décembre 2015. On y retrouve les titres à succès Ndoutou, Margot et Sawa Romance. En 2016, il sort supporté en collaboration avec le chanteur Mister Léo. La chanson connaît un énorme succès sur le continent et permet aux deux artistes de remporter de nombreuses récompenses locales. En 2017, il participe à l'émission Coke Studio Africa 2017 à Nairobi, parrainée cette année par le chanteur américain Jason Derulo, aux côtés des artistes Youssoupha, Kiff No Beat, Shadow Chris et Ozan. C'est le second artiste camerounais, après le groupe X Maleya en 2016, à être invité à prendre part à cette prestigieuse émission panafricaine. En ce moment, il joue des comédies avec plusieurs comédiens. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.